Mes chers enfants, mes chers élèves, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la deuxième fois cette semaine, ou bien pour la troisième fois. Nous allons faire maintenant une leçon d'orthographe. Il s'agit de déterminant tout. Tout. Écoutez bien ces phrases. Tout le monde parle de COVID-19. Toute la famille est à table. Toutes les écoles sont fermées. Tous les spectateurs applaudissent. Je répète, tout le monde parle du COVID-19. Toute la famille est à table. Toutes les écoles sont fermées. Tous les spectateurs applaudissent. Regardez, oui, le verbe, oui, le groupe, pardon, le groupe nominal dans la première phrase. Tout le monde parle de COVID-19. Alors, le groupe nominal dans la première phrase, c'est le tout le monde. Dans la deuxième phrase, toute la famille. Troisième phrase, toutes les écoles. Et bien sûr, la dernière phrase, c'est tous les spectateurs. Regardez, tout le monde. Le monde. Quel est le genre de monde? C'est un nom masculin. Le nombre, c'est singulier. Donc, le monde, c'est un nom masculin singulier. Un nom masculin singulier. Le déterminant tout, le, s'accorde avec le nom. Regardez la deuxième phrase. Toute la famille. La famille, quel est le genre de la famille? C'est féminin. Le nombre, c'est singulier. Famille féminine. Toute la famille. École. Les écoles. Quel est le nombre de le genre de l'école? Une école. C'est féminin. Le nombre, regardez, les. Le S à la fin, c'est pluriel. Donc, les écoles, c'est un nom. Féminin, pluriel. Féminin, pluriel. Donc on dit toutes. C'est le pluriel de toutes. Voilà, le pluriel. La dernière phrase, tous les spectateurs. Quel est le genre de spectateur? Le spectateur. Donc c'est masculin. Le nombre, regardez-les, c'est pluriel. Masculin, pluriel. Les spectateurs. Tous les. Attention. Tous les. On n'écrit pas tout. On ajoute ici le S. Non, ça n'existe pas en français. Enfin, tous les spectateurs. Donc, regardez. Tout se met devant un nom masculin singulier. Singulier. Masculin singulier. Toutes. S'écrit après, pardon, devant un nom féminin singulier. Toutes, devant un nom féminin pluriel. Et c'est tout devant un nom masculin pluriel. Alors, le déterminant. Tout s'accorde avec le nom. Si le nom est masculin singulier, on écrit tout avec T. Si le nom est féminin singulier, on écrit toutes. Si le nom est pluriel, féminin pluriel, on dit tout avec S, le pluriel de tout. Si le nom est masculin pluriel, on dit tout. Alors, je répète. Regardez, donc tout, le déterminant tout s'écrit devant un nom masculin singulier. Tout devant un nom féminin singulier. Tout avec S devant un nom féminin pluriel. Tout devant un nom masculin pluriel. Venons maintenant aux exercices. Regardez, on va ajouter, on va compléter ces phrases par tout.
Bien toutes, ou bien tout, ou bien toutes. Alors, ville est confinée. Ville. Donc, quel est le genre de ville? C'est féminin. Et quel est le nombre? C'est masculin. Donc, féminin, singulier. On va écrire toute là. Toute là. Forêt. Forêt. Quel est le genre de forêt? On dit le forêt ou bien la forêt? On dit la forêt. Donc, c'est un nom féminin. Féminin, bien sûr, singulier. Regardez la fin, il n'y a pas d'S. Donc, toute la forêt. Toute la forêt, toute la plage, toute la campagne. Village. Quel est le genre de village? On dit le village ou bien la village? Le village, c'est masculin. Et, bien sûr, il n'y a pas d'S. C'est masculin, singulier. On dit tout le. On dit le village, tout le village. Élève. Élève. C'est un nom masculin pluriel. Pluriel, on dit tous les élèves. Tous les élèves. Famille. Famille jeune. Famille, la famille. C'est féminin, singulier. Donc, on va écrire toute la. Toute la famille jeune. Restaurant. Restaurant. Alors, quel est le genre de restaurant? Le ou bien la? Le restaurant. Donc, c'est masculin. Et voilà, S masculin, pluriel. Donc, les restaurants. Tous les restaurants. Café. Tous les restaurants fermés et les cafés. Donc, café, c'est masculin, pluriel. Tout et tous les cafés. Femme, regardez le nom femme. Femme, c'est féminin. Une femme, on dit la femme. Une femme, c'est féminin. Mais c'est, regardez, il y a S à la fin, c'est pluriel. C'est un nom féminin, pluriel. Donc, oui, toutes les femmes de Douar tissent, font le tissage. Équipe ne joue plus. Équipe. Le genre de équipe, c'est une équipe, c'est féminin et c'est pluriel, donc les équipes, toutes les équipes. Toutes les équipes, c'est féminin, pluriel. Plage. On dit le plage ou bien la plage? La plage, c'est féminin, donc c'est féminin ou bien c'est pluriel ou bien singulier, donc c'est singulier, il n'y a pas de. Toute la plage est propre. Terrain. Le genre de terrain, c'est le terrain. C'est masculin. Donc, tout le terrain. Tout le terrain. Pays, sont attaqués par le COVID-19. Pays, c'est féminin. Ah, c'est masculin, pardon. Le pays. Mais c'est pluriel, sont les pays. Donc, tous les pays. Attention. S, il n'y a pas de T ici. Hein? Il n'y a pas de T. Joueurs marocains ont aidé les familles pauvres. Donc, joueurs marocains, joueurs, c'est pluriel, les. C'est féminin ou bien pluriel, ou bien masculin. Le joueur, c'est masculin. Tous les joueurs. Tous les joueurs. Alors, en conclusion, écoutez bien toujours. Tout, le déterminant tout, s'écrit devant un nom masculin singulier. Tout le monde, tout le public, tout le village, tout le pays. Tout. Devant un nom féminin singulier, toute la plage, toute la forêt, toute la campagne, toute la ville. Alors, toutes devant un nom féminin pluriel, toutes les filles, toutes les villes, toutes les mères, toutes les sœurs. Tout devant un nom masculin pluriel. Donc, tous les joueurs, tous les spectateurs, tous les gens, etc. Alors, la leçon touche à la fin. Au revoir. Jusqu'à la prochaine. Je vais vous envoyer des exercices que vous allez faire à la maison. Et n'oubliez pas de réviser vos livres. N'oubliez pas de réviser vos livres. Je vous fais des dessins à la fin du kitab ديالكم. قلبوا عليه وديروا التمارين. هذه الأمثلة راه عطيتها لكم من راسي. شوفوا ديروا ديك التمارين ديال الكتاب. إلى اللقاء. سكوت تخدموا منون. كون عون ربي.